This can't be love, because I feel so well. No sighs, no sorrow, no sigh. This can't be love, I get no dizzy spell. My head is not in the sky. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be in love. This can't be love, because I feel so well, but still I love to look in your eyes. À toutes et à tous. Cette semaine, dans la météo des sorties, diversité et plaisir seront à la une avec tout d'abord, sur l'île, le 4 mai, ce concert de PNL au Zénith Arena. Le groupe mythique de rap français revient suite aux multiples annulations pour cause de Covid. Le duo composé des deux frères Ademo et NOS se produira donc pour le plus grand plaisir des fans après plus de 2 ans d'attente. Ensuite, sur Arras, cette fois-ci, le Main Square Festival pour son édition 2022 aura lieu du 30 au 3 juillet 2022, toujours à la Citadelle. Cet événement qui compte parmi les plus grands festivals du Nord fait son grand retour. Parmi les têtes d'affiche, vous pouvez retrouver entre autres DJ Snake, Angèle ou encore Louane. Ces artistes viendront réanimer la Citadelle après 2 ans de pause en raison de la crise sanitaire. Pour en profiter encore plus, les programmateurs vous proposent cette année une affiche exceptionnelle sur 4 jours au lieu de 3. Direction le littoral et plus précisément à Dunkerque avec le Lac des Cygnes programmé au Cursaal le dimanche 4 mai 2022. Les amateurs de musique et de danse classique se régaleront avec cette mise en scène proposée par l'Opéra National de Maria Biesu. Vous pourrez vous replonger dans cette histoire d'amour entre le prince Siegfried et la princesse Odette, frisson garanti. Et pour terminer, avec une petite note de folie, c'est dans la Somme qu'il faudra se rendre, et plus exactement au Zénith d'Amiens, qui programme la comédie musicale Grise le 22 avril 2022 prochain. Cet événement permettra d'offrir au public une excellente occasion de s'évader et de faire un voyage dans le temps. Tenue rock'n'roll et gomina seront de rigueur. Tout de suite, retrouvez vos actualités culturelles de la métropole suivies du concert exclusif de Swing Songs. Belle soirée et prenez bien soin de vous. Dans une ambiance toujours plus conviviale, grâce à la volonté de ses fondateurs, vous pourrez de nouveau apprécier les talents du stand-up au Spotlight du lundi au samedi. Artistes confirmés ou en devenir,
le Spotlight est devenu un endroit incontournable à Lille depuis 2010. Comment est venue l'envie de créer le Spotlight? C'est surtout une envie de donner la chance aux nouveaux talents à Lille. Il n'y avait aucun lieu pour pouvoir s'exprimer, sinon des restaurants, des bars, des lieux pas adaptés. Et quand on a voulu monter quelque chose avec Marc, on s'est dit, allez, on va vraiment donner la chance aux nouveaux talents de la région. Puisqu'on est lundi soir, mardi, je commence ma semaine. Et puis ça va nous chauffer tranquillement, messieurs, dames, ce soir, il y aura Adi. Yes, comment ça va le Spotlight? Alors, au niveau de la programmation, ça vient à nous. Alors, on a l'habitude de travailler avec beaucoup de productions qui ont beaucoup d'artistes dans leur écurie, comme on dit, et qui viennent au Spotlight parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec nous. Ou des fois, on m'envoie des vidéos, mais je préfère quand même voir les spectacles sur scène que sur vidéo. Alors, c'est les deux. Soit ils me sollicitent, soit c'est les productions qui me sollicitent. Merci à tous de m'avoir écouté. Vous avez été super. Merci. Retrouvez toute la programmation du Spotlight sur leur site ou leurs réseaux sociaux. La malterie de Lille rouvre ses portes avec une programmation toujours plus audacieuse, axée sur les musiques électro et expérimentales. Alors la malterie, c'est un collectif principalement de plasticiens et de musiciens qui ont ouvert ce lieu il y a très longtemps. C'est un des derniers lieux indépendants de l'art en général à Lille. Alors ici, on a des studios de répétition où du coup, on a 70 musiciens à peu près, donc qui pratiquent un peu tout style de musique, mais aussi enfin, beaucoup de musique dite alternative. Salut, moi je suis Seule Tourve, je suis une artiste qui aime la musique amateur, mais j'aime quand même me faire payer pour la faire. Et du coup, c'est plutôt musique expérimentale. C'est un peu un prétexte aussi de faire la musique pour pouvoir rencontrer des gens et me sentir moins seule. On a eu des gros événements qui sont passés. Enfin, on a eu la release party de Poirot et Merville. On a la Outnani qui va arriver en juin. En gros, la Outnani, le concept, c'est on donne un thème aux musiciens, résidents ou aussi extérieurs. Et le but, c'est de créer un projet musical autour de ce thème, et les musiciens ont 15 minutes pour jouer sur ce thème. Enfin, on a fait des thèmes comme Eurodance, Chanteur mort, Britney Spears versus Madonna. Ouais. Le printemps est arrivé et les fanfares colorées commencent à s'amuser. Et c'est à la Citadelle de Lille qu'elles seront présentes pour vous proposer un moment de joie. Big Bandoul, c'est une fanfare étudiante de Centrale Lille. Elle existe depuis maintenant plus de 22 ans. On fait beaucoup de funk, on fait beaucoup de brass en fait. C'est toutes les traditions des brass de l'Est ou même de américaines. Ce qu'on peut souhaiter aux gens qui profitent de ce moment avec nous, c'est d'abord de s'amuser, c'est aussi de faire une pause dans leur quotidien. Parce qu'en général, ils n'ont pas prévu de nous écouter à l'improviste. Presque tous les week-ends dans Lille, il faut un peu nous chercher. Sur Facebook, on essaye de poster un maximum nos sorties. Et sinon, n'hésitez pas à contacter aussi directement les fanfares qui seront un plaisir de jouer avec vous, où vous souhaitez. Vous êtes ici dans la rue La Danse, donc, qui est la première structure de danse hip-hop de la région Hauts-de-France. Et elle a pour but de promouvoir en fait, la danse hip-hop au travers de son école, au travers de la formation donc, en direction des amateurs, direction des professionnels, et également par l'organisation d'événements, spectacles de danse, battles de danse, concours chorégraphiques, galas de danse. Alors bonjour, moi je m'appelle Ludo, je suis prof ici depuis quelques années, mais c'est ma première compagnie en fait, c'est mon premier projet professionnel. Donc les origines du hip-hop, le hip-hop vient de New York. C'était toute la culture en fait qui fonctionnait un peu ensemble. Voilà, c'est une culture qui est assez profonde, qui est assez forte, puissante,
et qui part pas de rien en fait. Ça part vraiment d'une volonté de calmer les esprits parce que dans les quartiers, ça allait, dans les quartiers de New York, ça allait un peu loin quoi, dans les rivalités. Donc voilà, ils ont commencé à créer ce mouvement-là. Alors, en ce qui concerne notre école de danse, on a tous les ans un gala qui est organisé au mois de juin, qui se fait ici à Roubaix, qui permet de restituer tout le travail qui a été fait pendant toute l'année, de toutes les classes, entre guillemets, toutes les tranches d'âge. Et donc là, il aura lieu le 18 et 19 juin au théâtre Pierre de Roubaix. Ça permet aux enfants, justement, de montrer, que ce soit aux familles, aux parents, etc., ce qui a été travaillé tout au long de l'année, et puis se faire plaisir en montant sur scène, en fait.